L'Université d'Angers, de Nantes, du Mans et l'École centrale de Nantes se sont récemment unis au sein du PRES, pôle de recherche et d'enseignement supérieur. Son président vient d'être nommé pour 3 ans. C'est Daniel Martina, le président de l'Université d'Angers. Le premier projet qui était engagé déjà depuis 1 an, c'est la restructuration des écoles doctorales. Auparavant, nous avions des écoles doctorales par site, à Nantes, à Angers, au Mans. Maintenant, nous avons des écoles doctorales par thème et qui sont sur le niveau régional. Donc, possibilité de donner aux doctorants des formations qui sont beaucoup plus complètes. On va mettre en commun aussi sans doute la valorisation de nos recherches, ce que découvrent les laboratoires, ce qui descend sous forme d'innovation dans les entreprises. Quand on fait ça à un niveau individuel, on manque de professionnalisation, ou du moins on est limité dans nos moyens. En mettant la valorisation en commun, on fera plus et on fera beaucoup mieux. Le PRES devrait s'ouvrir prochainement aux autres grandes écoles et CHU.